opération, cratère réactif Yavessa, clôturé. Allez mes loulous, c'est tonton Tommy Kay, je suis chaud bouille bouille aujourd'hui sur Destiny, on avance super bien. Allez, qu'est-ce que tu veux nous dire ma puce? Il faut maintenant l'imprégner de l'âme de Kropta pour pouvoir traverser la rupture. L'avant-garde a ignoré mes avertissements, mais il se décide enfin à aider. Cade vous cherche, allez le voir. Alors on va voir Cade, qui doit être juste à côté bien sûr. On aurait dû savoir, Corix. Tu es rentré dedans, carrément. Écoutez, Eris a peut-être un sourire gentil, mais elle s'en fiche que vous surviviez ou non. Alors, donc, du coup, si vous voulez, si vous voulez voler l'âme de Kropta, il vous faut un bon équipement d'invisibilité. Heureusement, je sais où on peut trouver un code furtif, mais ça sera pas facile. On ne peut pas laisser Oryx vous trouver encore une fois. Si vous voulez voler l'âme de Kropta, il vous faut un bon équipement d'invisibilité. On se voit plus tard. Niveau 38, bim! Yes, aïe, je suis bientôt niveau 40! J'ai l'information. Ouais, bah apparemment, faut se barrer d'ici, hein. Il n'y a plus rien. Oh, 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 oh. Très bien, en plus, je suis assez équilibré au niveau de mes pouvoirs, là, avec la grenade et tout. Là, je suis plutôt bien. Je me suis encore renforcé en plus en armure. Ça serait là. Ouais. Alors, niveau 32. Contourner les défenses de Rasputin et télécharger les protocoles du code furtif dans sa banque de données de l'âge d'or. Ok, bonus exprès. Donc, c'est la mission de code Prométhéen. Je kiffe ce petit vaisseau, hein. Je le garde pour l'instant. Voler à Rasputin. Vous bafouez un monde que vous ne comprenez même pas. Ne vous souciez pas d'elle, gardien. Elle l'a toujours mauvaise à cause de son vaisseau. Il nous faut de l'équipement d'invisibilité pour contourner les corrompus. Et le bunker de l'esprit tutélaire a les codes qu'il vous faut. Ok. Bon, généralement, on plonge juste après la discute. Ouais, on n'a pas attendu longtemps, ça va. Correct. Allez, pchouf, téléportation. Depuis le temps, est-ce qu'on est sûr que Rasputin a toujours le code? Je le lui ai déjà volé une fois. J'ai utilisé le dernier exemplaire pour faire le moteur furtif que vous avez détruit. Bon, il commençait à se faire vieux de toute façon. Ok, alors là, on va peut-être utiliser notre passereau, ouais. Ça a bien longtemps. Apparemment, il y a du monde, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je sais pas, je vais les laisser. Juste pour me taper le délire d'être avec mon passereau, parce que c'est vrai que j'utilise très peu souvent. Bon, voilà, apparemment, on n'a pas le choix. Allez, bim! Wow, wow, wow! Petite recharge. Le petit salut pio, il est pas mort. Là, il est. Enfin, je suis bloqué. Peut-être que j'évite de me la jouer trop à la cool. On va être juste en dessous de ma gueule. Bon, en tout cas, c'est plutôt par là, on va y aller. J'ai du mal à contourner le pare-feu de Rasputin. La fréquence que vous avez m'a bien permis d'y accéder la dernière fois. Il va protéger son territoire à tout prix. Bah, il va essayer au moins, hein. Ça c'est sûr. Donc on va savoir s'il va y survivre. Encore cette tâche interdimensionnelle. Les corrompus sont là. Quoi? C'est impossible. Nous avons condamné le bâtiment après la situation avec Omnigul.
Cade, est-ce que vous voyez ça? Ah oui, effectivement, c'est pas brillant. Bon, si vous en voyez, eh bien, tuez-les. Tuez-les tous. Comment ont-ils fait pour entrer? Les corrompus se fichent bien des limites terrestres. Et les munitions terrestres, est-ce qu'ils s'en fichent aussi? Allez, bim! J'ai hésité à balancer une grenade, mais non. Ça a l'air de s'arrêter. Ouais, ma recharge. Ok, on avance. Attention. Ah, c'est les capitaines, ils sont super chauds. Avec la grenade de merde, là. On va peut-être passer à du lourd. Ah merde, c'est ok. Il est où le gros? Ah putain, mais je suis bloqué par quoi encore? Oh la vache. Ça a fait super mal. Cool. Regardez la jauge de ma grenade, elle remonte très très vite. Attends, attends, ça finit ce truc là. Allez, bim bam boum. C'est un sniper qu'on a là-bas. Ah, encore protégé. Allez, boum. Gros. On va recharger. Ah non, c'est bon, ça s'éclate contre le mur, tout va bien. Non, je n'étais pas assez prêt. Ah. Allez, bien. Et ça continue. Putain, il lui reste rien l'autre enfoiré. J'y crois pas. Ah, il est toujours pas mort. Quand même. Hallucinant. Bon, c'est bien, on avance. Hop, j'entends des bruits qui me pressent pour encore. Fais gaffe à ces trous là. C'est pas bon pour ma vision. T'as personne quoi. Ah. Je me disais aussi. Oh là, j'aurais dû fermer ma gueule. Qu'est-ce qui nous balance? Oh, oh, oh. Cours, 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 cours. Allez, bim, bim. Y'a personne qui avait des munitions dans le coin. C'est des fois utile, ils en donnent. Ils ont rien donné là. Bon, tant pis. Ah si, quand même. Tout de même, tout de même. Ça va, on s'en tire bien pour l'instant. Les corrompus nous suivent si facilement, je n'en reviens pas. Oryx doit vraiment nous haïr. C'est ça. C'est bien pour ça qu'il faut qu'on ait les codes d'invisibilité. Hop, 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 hop. Oh putain de merde! Vite, vite! Charge, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage! Hop, 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 hop!
Encore bloqué par quelque chose d'invisible, quelque chose qu'on ne voit point. Allez, même. Ouh. Ah, je sais pas comment. Allez. Oui, allez, ça va soulager un peu tout le monde, ça. Surtout moi. Ouah, comment je te l'ai pourri. Un petit con. C'est bon pour lui. Ça va les pattes. Ah la vache, ça va dédoubler l'enfoiré. Wow. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Allez. Oh, ça a bien servi. Nickel chrome. Bon, par contre, la recharge là, elle va être un peu plus lente parce que du coup, je me suis réaugmenté ma grenade, mais au détriment de ma supercharge. Que voulez-vous? Faut bien faire un choix. Bon, moi, je suis à donf. C'est très très bien. Là, bien en ligne les mecs, là, ça me plaît. Oups là, recharger tout ça. Ah, j'ai eu. Ah, salaud. Allez. On passe au suivant. Du coup, c'est par là. C'est bien vu leur bouclier, mais putain, c'est chiant. Allez. Wow. Il vise bien en plus. Et moi aussi. Crac, ça peut être nerveux, j'adore. C'est trop bien. Encore du monde qui arrive. On se recharge. Ça peut pas faire de mal. Oh putain, je l'ai presque. Quoi qu'il tire là-bas. Ah, je suis battu. Allez, bien, je suis dedans. Et encore. Putain. Ah, il manque rien. Eh ben. Ok, je suis de nouveau à bloc. C'est nickel. Non, c'est en bas en plus, je suis con. Donc là. On est arrivé. Chut.
Ouf, ici. Nickel, nickel. Allez, la grenade qui fait mal. Oh là là, comment j'ai tout déboté. Ah, comment elle était nickel contre cette grenade. Allez, bim bam. Et bim. Ah, j'ai buté. La richesse. On va se diviser, l'enfoiré. Et en plus, on a un petit truc bleu. Un casque, cool, ça faisait longtemps. Alors, en esprit tutélaire. Ouais, ça va, c'était pas trop compliqué encore pour l'instant. Enfin, je dis rien, parce que des fois, il me balance des trucs de la mort d'un seul coup. Je ne comprends pas la logique de ces systèmes de cryptage. Je ne suis pas sûr qu'ils fonctionnent sur un gardien. Et comment croyez-vous que les épéistes peuvent devenir invisibles? Avec l'approbation de l'avant-garde, nous pouvons enfin en finir. Retournez sur la Lune. Voler l'âme de Cropta. Eh, franchement, j'ai assuré ou bien? Comment je te l'ai fait? Mais nickel chrome ce niveau. Oh là là! Ah, du coup, je vais peut-être pas stopper la vidéo sur ce coup-là. J'ai... je l'ai juste un peu torché. On va plutôt aller à la suivante, les copains. Et on va voir un peu ce qu'on a gagné, surtout. Donc, je pense qu'on va faire une mini pause. Attends, quand même, là, j'ai gagné des trucs, là. Ah, déjà, un truc de foudre en plus, j'ai cru voir. Les récompenses, là, je suis pas mort une seule fois. Ah, je préfère. Qu'est-ce que c'est, ça? Un fusil à impulsion. 192! Ah ouh! Vous avez une chance de récupérer une partie des balles de votre chargeur lorsque vous effectuez une assistance. Ouais, ça, on s'entend un peu. Le CAXM, 190, intelligence plus 34. Faf, faf, faf. Ah, c'est l'intelligence, c'est ça qui m'embête. J'ai bien envie de garder mon truc de grenade, on va bien voir. Bon, ok les loulous, je fais une mini pause et ben je, et puis je me retrouve sur une autre mission. Allez, tchuss, à tout de suite. Allez, c'était pas long, on lance l'activité, donc le niveau suivant c'est Ultime Right. Alors là, vous allez voir, je me suis équipé encore avec des trucs de corps. Laisse tomber. Je me suis boosté la résistance encore. Mais... oh. Ça devient monstrueux. Bon, vous avez le cristal, et il faut maintenant le remplir de l'âme de Cropta. La ruche est justement en train de préparer ses obsèques, alors... Ce ne sont pas des obsèques, mais un rituel mortuaire. L'essence de Cropta est préparée pour le prochain monde. Ouais. Donc, pendant les obsèques, Oryx risque d'être sur le qui-vive. Utilisez l'équipement d'invisibilité de Rasputin pour esquiver les corrompus. Trouvez l'âme de Cropta... emparez-vous-en et fichez le camp. Je peux me rendre invisible. Vous êtes sérieux? On va où exactement? Lorsque les sirènes de la mort commencent à chanter, vous saurez que vous êtes sur la bonne voie. Je crois qu'elle n'en a aucune idée. Mais ne vous inquiétez pas, je garde l'œil ouvert. J'essaierai de ne pas lui arracher. Oh, oh la trip. Avec la zig derrière et tout. C'est tout juste énorme. Donc j'ai changé de fusil à impulsion encore. Aussi, j'avais zappé ça. Ne vous faites pas remarquer. On a besoin de vous. Spectre, vous avez la fréquence? Oui, et vos modifications? Nous sommes prêts. Alors déplacez-vous en silence et sans vous faire surprendre, comme le fait la mort. Je suis pas très rassuré. Ah, vache. Ah bah direct, l'appareil. J'espère que ça va marcher. Activation de l'invisibilité. Watch out. Je ne vous vois pas. Et vous, vous me voyez? Terrible. Alors du coup, faut que je passe en loose. Ne vous approchez pas trop.
Même s'ils ne vous voient pas, ils peuvent toujours détecter votre odeur. On peut remplacer le vaisseau d'Eris, mais pas vous. Entrez dans leur monde. Le monde du gouffre. Ok, alors là, il faut essayer de les zapper. Est-ce qu'on peut voler aussi? Attention, parce qu'il y avait un gars là-haut. Ouais, c'est bien ça. Putain, il arrive par là. Oula, évite, évite, évite. Ça va, apparemment, il m'a pas repéré. Une écaille sépulcrale. Faites attention, il faut continuer à les éviter. Ouais, que j'espère qu'ils ne peuvent pas voir cette chose. Ah, si j'ai pu passer hier. Si c'est que l'on peut avancer. Ah, attention, il y a encore du gros lourd là-bas. Il vient par où? Donc on ne peut pas voler. Hein. J'ai testé. On ne peut pas faire de saut. Putain. C'est super chaud. Ça suffit de suivre la petite zone rouge et ses peinards. Cool. Vous pensez qu'ils ont entendu? D'ailleurs. Les sirènes de la mort. Elles sont en train de préparer Cropta pour le prochain monde. Suivez leurs cris. Ça me rappelle le temps que j'ai passé dans l'obscurité. Leur chant maléfique retentissant quand Eriana est partie. Oh, faut que j'aille là-dedans. Vous êtes mignons. J'analyse, non, y'a rien. Putain. Bon bah. Atteignez le tombeau de Cropta et emparez-vous de ce qu'il reste de son âme. Il y a beaucoup de tombeaux ici. Comment va-t-on trouver celui de Cropta? Quand vous le verrez, vous le saurez. Ok, on y est. Ils sont placés tous ces enfoirés, je les vois pas tous, ça me plaît pas. C'est pas par là. Putain, je me suis stressé là, je ne discute plus. Voilà, je vois quelqu'un qui se rapproche par là, vite, vite, vite. C'est génial, hein, j'adore. Ah, ça va. Qu'est-ce que je dois foutre là? Vous êtes mignons. Pièce radine encore une fois. Ça, c'est passé. Je sais pas comment. En tout cas, apparemment, c'est pas par là. En fait, fait que je monte, hein, tout bêtement. Que je fasse le tour. Ah,
qui se radine vers moi là. Jusqu'où il y va? Est-ce qu'il fait le tour? Ah, sinon ça va nous obliger à faire le tour aussi. Ah bordel. Ouais, il a l'air de s'arrêter là. Non, il continue. Il continue, il continue. Petit emmerdeur. Ah! Attends, je suis dans la merde s'il va jusque là. Oh, il vient par là. Stop, il fait demi-tour. J'aurais pu lui passer dans le dos là. Ah, ça lui fait demi-tour. Ah putain, on va être obligé de le suivre tout le long comme ça. Oh, ça, oh comment ça me démange de lui en foutre une dans la tête. Mais bon. Maître des clés. Hop, un petit truc à gauche. On avance encore un peu, encore un peu. Encore un peu, voilà. Je crois bien qu'on l'a trouvé. Maintenant, laissez le cristal s'abreuver de l'essence funèbre de Cropta. Et tac. Ça fonctionne. Est-ce qu'il nous en faut beaucoup pour nous faire passer pour un ascendant de la ruche? Un échantillon suffit, mais prenez-en le plus possible. Il y a quelque chose qui cloche. Nous sommes visibles. Téléportez-vous! Fichez le camp! Il nous faut l'âme de Cropta! Ils en ont bien assez. Spectre, téléportez-vous! Je n'y arrive pas. Il y a trop d'interférences. Ah, qu'est-ce que je fous? Je n'arrive pas à établir la communication. Restez en vie! Il faut absolument qu'on arrive à quitter ce lieu. Je veux bien, je veux bien. Ah, c'est pas du tout le même bruit. Putain, j'ai tout raté. Allez, bim, boum. J'aurais bien fait l'amélioration, mais là, ça va être compliqué. Ah. Allez, crève, crève, crève. Waouh, waouh, ils font super mal. Allez, hop là. Oh, qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui fait mal? Cool. Ah, ça va vite dans le temps. Je savais bien qu'il y avait quelque chose qui me tirait dessus. Allez, bim! On serre, on serre. On y va. SD2, tant pis. Ça me fait du point. Ouais, c'était propre. Aïe, 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 aïe. Ah, il y en a encore un. Oh putain, c'était quoi ça? Putain, je suis quasiment mort. C'est un truc invisible, j'ai l'impression. Eh ouais, c'est ça. Fou, je l'ai eu.
Ok. Ah bah voilà. Bah. On continue, on s'arrête pas. Il y a le truc invisible là. Putain, il se casse bien. C'est quoi ça? Où est-ce que je suis? Putain, je suis tombé dans un trou, j'ai pas compris ma douleur. Planque-toi. Allez, on continue, je parle plus, je suis hyper concentré. Putain. Planque-toi, voilà. Ah, j'ai pas fait grand chose, dommage. Oh putain, c'était quoi ça? Je suis où? Avec si peu de temps, c'est tout ce que j'ai réussi à faire. Vous avez réussi à nous sortir de là. Waouh. C'est l'une des techniques de Tolland. Je redoute les ténèbres plus que tout. Mais il est hors de question que je perde un autre gardien. Vous avez emprisonné les derniers murmures mais de l'âme. Putain, de j'avais une arme bleue. C'est à vous de jouer désormais. Trouvez Oryx sur le cuirassé et détruisez-le. Ah, j'avais un objet bleu à choper. Putain, c'est pas la première fois que ça me le fait dans le jeu. Ah, c'est rageant. Ouais, c'est mort. Ah, je suis dégoûté. Bon, je suis pas mort du tout, donc du coup, je vais peut-être avoir un peu de récompense quand même sur ce coup-là. Ah. Ouais. Alors, c'est quoi? Fusil d'éclair, 192. Wow. Intelligence, bim, plus 50. Enfin, tu... Eh ben... On continue. Bah ouais, là, les objets que je chope, là, maintenant, ça va être des trucs de porc. Là. On s'approche de l'ultime main. Ok. Bon, alors, amélioration. Bah, du coup, on va pouvoir les foutre. Alors, qu'est-ce que j'ai chopé? Oh. Je suis pas loin de ça. Quand vous êtes dans un état critique, une onde à impulsion améliore votre vitesse. Pareil. Allez. On ajoute. Et ça, c'est quoi, cet entendement? Améliorer tous les attributs. Bah oh. Ouais. Cool. Du coup, c'était quoi? Ah, les fusils à pompe. Bon, je regarde quand même s'il n'y a pas autre chose. Non. Ah, ok. Ça, c'est quoi? Ah, oui. Ah, depuis le temps que j'attends ça. Voilà. Améliore mon armure. Oh là là, c'est cool. Et donc ça, qu'est-ce que j'avais chopé? 195, intelligence plus 50, quoi. Bah oui, mais non, je viens de me foutre le truc. Donc je pense que c'est pas une bonne idée. Intelligence plus 30, intelligence plus 50, donc c'est pas photo, toi tu dégages. D'accord, les pompes.
Oh la vache. Ok. Non, bah de ce côté-là, ça va. C'est des armes aussi. Qu'est-ce que j'ai chopé? 192. Allez, bim. Le chargeur de cette arme se remplit chaque fois que vous utilisez un super. Le radar reste actif lorsque vous utilisez le viseur de cette arme. Pas court. Allez, on démonte celui-là. Bien, bien, bien. Ah, encore un truc à décrypter. Bon, on a fait tout. Donc un truc à décrypter, mais. Ah ouais, la vache, on va retourner là-dessus. Waouh. Eh ben, écoutez, je fais une petite pause et je reviens. Et allez, on est en orbite et on lance l'activité tout de suite. C'est le régicide. Alors, est-ce que ça voudrait dire que c'est la dernière mission? Ce serait bien possible. Ce serait bien possible. Parce que régicide, ça veut plus dire. Finissez ce que nous avons commencé. Ok. Mon assistante un peu bizarre est prête. Le commandant Grincheux aussi. Et nous avons notre gardien qui est sans doute le moins bizarre de tout le lot. Je pense qu'on peut y aller. Je pense aussi. Ouais, on retourne. Ben. Ah oui, il va vous falloir que je traverse pour un ascendant de la ruche, tout comme Cropta, Oryx sera vaincu. Elle a raison, gardien. Il n'y a aucun doute que ça pourrait potentiellement peut-être fonctionner. Bon, allez à la rupture. Alors, la rupture reste où déjà? Faut retourner dans le vaisseau en fait. Il ressemblerait bien. Allez. Putain. Ah mais tu me fais chier, toi. Allez, faut qu'on se remette dedans. Là j'ai fait une petite pause, je suis plus dedans. Ça va pas. On se calme. Ah. Bim. Attends. Vous passez, c'était quoi ça? Bon, en tout cas, la place a l'air d'être cool. J'y crois pas, c'était pas là tout simplement. Ouais, j'avais pas besoin de m'occuper des cums en fait. Bon bah tant pis. Putain, la musique, comment elle déboîte encore, mais franchement. Donnez-moi la BO. Je me la mets en boucle. Ok, la rupture devrait être par ici. Activez-la. Une fois que vous l'aurez passé, envoyez-nous vos coordonnées. On verrouillera votre position et on vous enverra des renforts. Ouh, il y a des mecs partout. Ah, putain. Waouh. En gros, heureusement que je suis tombé, hein. Donc oui, je me suis boosté une aptitude qui déchire, ça améliorait toutes les aptitudes en fait. Ouais. Allez, une amélioration débloquée pour les godasses, ok. Très bien. Watch.
mieux à gérer. Okay, bande d'empoisonnés, dans le dos, dans le dos, dans le dos. Et planquage, planquage. Hein? J'ai une super charge. Ok. Aïe, 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 aïe. Et quelle bande de connards. Recharge vite, vite, vite. Ah, oh, ça recharge vite, ça recharge vite, ça recharge trop vite, c'est trop bien. Ouais, lui on en parle plus, il me fera plus chier. Oh, elle est trop bien, Zik. Ah, dommage. Ok, on continue. On est bien là. Hop là. Après je tombe. J'ai peur de me casser la gueule. La rupture ressent l'âme que vous détenez. Vous êtes un ascendant. Alors, je peux passer. Ouais. Alors, du coup, un endroit inconnu. Trouver Oryx. Un ascendant. L'heure est venue de tuer un roi, hein, gardien? Bonne chance. Je pense qu'on va devoir finir ça sans eux. J'ai beau balayer les signaux, je ne détecte rien. Nous sommes je ne sais où et je ne détecte aucun site d'Oryx. Oh, ah, c'est encore trop trippant. Bon, au moins on sait qu'il garde un œil sur nous. Coucou Oryx. Ouais, c'est ça. Coucou madame. Ouah, matez-moi ce décor. Ah, et pour un final, là, ça va être beau. Ok, ok, on se calme, on se détend, on se détend, on se détend, on se détend, on se détend. Putain, y a du monde là-bas. Recharge vite, 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 merci. Oh putain! Sa tendance. Oula, ça arrivait près. Oh merde, la recharge. Aïe. Voilà, allez hop. Et d'un. Et où là, vous allez manger. Ils sont beaucoup. Enfin, je le touche pas. Et ils grimpent tous ces enfoirés en plus. Ça c'est cool, par contre ça fait du bien. J'avais plus grand chose. Alors, d'où est-ce qu'ils arrivent?
Oh, il peut m'aider. Allez, on y retourne. Il y a un truc vert à choper, là, j'ai pas envie que ça me passe sous le nez, encore une fois. Voilà. Donc vous les gros. Alors tiens, ils font mal. Mais je recharge très vite maintenant. Hop là, raté. C'est le trône d'Oryx. C'est toi, le dernier recours de la lumière. Oula. J'ai pris le contrôle de systèmes entiers. Tu n'as pas la carrure pour m'affronter. Immunisé, je fais quoi alors? Ah, il est plus immunisé là. D'accord, il est sensible qu'à ça. Tire dans quoi là, je sais même pas. Putain, le trombon qui nous là, qui nous pète le mec. Ah mais c'est dans la faille qu'il faut tirer en vérité, je crois. Jouer avec HH. Ouais. Allez, il est dedans. Ah. Allez. Boum, et deux. J'ai l'impression qu'il a changé d'avis et qu'il pense qu'on a la carrure, en fait. Je pense. Attends, on fouille vite fait. Quoi que j'ai l'impression que je suis à fond, mais bon. Ouais. Ah, attends, recharge déjà, ça sera mieux. Et mes signes principales pleines, mais attends, que je recharge d'abord. Voilà, ok, on est bon. Oh, si tu te planques encore, petit coquin va. Ah, faudra que je pense à ma mitrailleuse maintenant parce que. Et au fait, attends deux secondes. Ça me rappelle que. Voilà les bots. Oui. Améliorer, pardon. Tu m'étonnes que je prends. Et l'autre, ah oui, non, ça c'était pour les fusils, donc on s'en tamponne. Je regarde vite fait ce qu'on a gagné. 190, intelligence plus 34. Ouais. Moyen. Ok, ok. Les armes, rien de nouveau. Rien de nouveau à l'horizon. Bon, bah on avance. J'ai réussi à gérer les deux gros connards. Ok.
qui m'a envoyé ses sbires. Oh putain! Viens m'affronter, guerrier de lumière! Je vais finir ce que Procta a commencé. Ils se barrent, les mecs! Hallucinant! Et du coup, il me fait un petit pont pour moi. C'est gentil. C'est trop gentil. En gros, il s'impatiente. Il a hâte de me voir. Moi aussi. Voilà. Oh, excellent. Oh, c'est top. Oh, vas-y, l'ambiance de ouf. Je vois rien par longtemps. Enfin, l'heure de ma vengeance a sonné. Alors, on va voir si c'est ta vengeance ou la mienne. Apparemment, c'est le vide qu'il faut viser. Ouais. Voilà, vache, il est magnifique. Regardez-moi ce décor de fond et tout. Ah, c'est un final de la mort. J'adore ça. Ah, mon arme est fait trop mal, quoi. Ah, attends, on va se prendre un petit coup de mitrailleuse. Il se barre, ce con. Allez. Allez. Ouh, c'était quoi ça encore? La lumière de ton voyageur ne peut pas briller jusqu'ici. Allez. Il est où ce con? Il est où? Il est où? Faut que j'avance, on fait quoi? Je vois pas. Allez, bim! Tire dedans! Fais quelque chose! Aïe 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 aïe. Allez, encore. Ouais, bouge de là. Allez. Ah, il est génial, il est trop bien. Moi je suis pas trop mal placé ici. Allez. Ah, la zik les copains. Elle est trop bien. Ah, t'es mignon, mais là, non, ça va pas être possible de répondre maintenant. Carrément pas même. Désolé. Oh là là, non. Il te recharge quelque part. Voilà. Bouge de ton cul.
Il a bougé, où est-ce qu'il a encore bougé? Ce que tu nommes ténèbres est la dernière étape de ton existence. Putain, je suis bloqué encore. Allez! Putain, je l'ai pris plein de tête, celle-là. Ah, ah non! Waouh. On se détend. Alors, bien que mon super se recharge aussi un petit peu, MC4. Oula, tiens, sympa toi. Bouge, putain de merde. Waouh. C'est intense les copains. C'était quoi ça? Il est arrivé dans mon dos ou il a fait quoi? Oh putain. Ok, allez. Putain, casse-toi. Ok, tu veux jouer à la grenade, Je suis dans un état de stress intense. Putain, casse-toi d'ici! J'ai été bloqué par quoi encore? Oh. Chou. Ah! Qu'est-ce qu'il m'a fait? Accepte le cadeau des ténèbres. C'est quoi ce bordel? Laisse ma volonté te délivrer. Putain, immunisé. Allez, bim. Allez, crève. Oh là 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 là. Ah, les fils de pute de leur maman. Ah. Et il tire dessus en même temps, bien sûr, j'avais oublié ça. Allez.
Ah non. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Ouh, j'ai ma super charge. Allez, sors de là, affronte-moi. Il y a un peu de couilles. Je sais pas si t'en as des couilles d'ailleurs, je sais pas. Ah mais je vise que dalle là. Et le bordel. Je suis dans la merde, grand tas. Putain, comment j'ai pu en réussir encore en échapper. Allez. Ah, je peux le toucher qu'une fois quoi. C'est abusé. Abusé. Et après c'est reparti quoi. Oh, yeah, 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 yeah. Je sais même pas si j'ai touché avec ma grenade. Mais tu me lâches un peu, toi. Calme toi. Allez, allez. Non. Oh putain. Ah, je suis quand même à la moitié de son énergie, ça va. Allez, vas-y, vas-y, speed. Oh putain, mais ma lumière va vaciller vite fait si je continue à faire mes conneries là. Putain, je suis où, je sais même pas où je suis. Voilà, va te planquer un peu, voilà. Oh yo 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 yo. Eh ben. Oh fils de ta maman. Mais attends, je sais même pas ce qui se passe là. J'ai volé. Croyez mon cheval, sans fumée, sans alcool, allez, pas besoin.
que c'est raide. Allez, cours, 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 va te planquer, va te planquer, va te planquer. Je vois rien. Voilà, on a avancé. Cool. Accepte le cadeau des ténèbres. Laisse ma volonté. Allez, allez. Oh putain, j'ai plus de munitions. Oh, je suis dans la merde. Allez, je suis rechargé, c'est bien. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Vite, recharge. Voilà, ça m'a pas tué. Heureusement, heureusement. Je sais plus quoi faire. Quand est-ce qu'il vient vers moi, cet enfoiré? Allez, donnez-moi un peu de munitions, vous aussi, là.
Oh là 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 là, comment j'ai eu chaud. N'importe quoi. Quand est-ce qu'il va crever, bordel? Je sais pas si ça fait quelque chose que je tire dedans quand c'est comme ça. Oh putain, ça l'a pas tué encore. Oh la vache. Des munitions et de quoi, un peu tout. Oh putain, ah je l'ai pas tué, il était juste devant moi, bordel. La prochaine fois j'utilise mon pouvoir, je mets supercharge là, j'essaie de bousiller avec ça, je n'en peux plus, il est trop long. Buté à la Dark Sidious, tu sais. On est en plein Star Wars, les mecs. Et lui, il a deux dans le cul. Du style, il s'est barré, quoi. Bah voilà, les copains. Ah, je savais que j'allais réussir à le finir aujourd'hui. Ça se sentait. Ça se sentait. Bueno. Ma reine, vous aviez raison. Son courage était la clé. Pour la première fois, les murmures se sont tus. C'est fini. Mon destin est tracé. Je n'échouerai pas. Oh là, t'es un peu chelou, toi. Ça promet pour la suite. Hey, je suis toujours pas niveau 40. Ah, ah. Bon, par contre, ta récompense, elle devrait être à la hauteur. Un fusil automatique. Intelligence plus 51. Bon, c'est pas. On va continuer. Histoire de bien enregistrer. Puis je vais stopper ma vidéo là-dessus quand même. Hein, parce que. Ah voilà. Corrompu. Roi des corrompus emballé. Ça va, j'aurais pas tant galéré que ça. Hein, quand même. C'est-à-dire qu'avec les pouvoirs de port que je me suis fait, c'est plutôt cool. Bon, bah, je vous dis à bientôt les loulous sur Destiny, histoire de voir un peu ce qu'on a gagné, les améliorations, et puis peut-être faire des parties multi, tout ça, tout ça. Allez, tchuss !